On commence directement avec la crème solaire. On est en 2022 et même nous, les Mélanine Queen, on a besoin de crème solaire. Si vous n'en mettez pas, c'est correct. Abonnez-vous à notre chaîne et si vous en mettez déjà, continuez comme ça et abonnez-vous à ma chaîne. Je vais essayer quelque chose de nouveau. Je vais aller directement avec le concealer pour cacher mes taches pigmentaires. Le cache-cerne que j'utilise, c'est le cache-cerne de chez NARS, que j'aime beaucoup. Je suis la teinte Walnut. Et là, je vais y aller directement avec mon contouring. Et là, vous allez dire, Diane, tu fais quoi? Tu mets le contouring avant le fond de teint? Eh oui! J'ai vu ça et ça donnait des beaux résultats. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai l'impression que le blending, ça fait la grosse différence entre la qualité de ton maquillage. Je crois plus tu blends, plus ton maquillage est beau. Next, je vais y aller avec mon fond de teint de chez NARS. Je suis la teinte Macao. Et vous avez vu mon histoire de fond de teint dans ma dernière vidéo. Et en passant, si vous avez écouté ma première vidéo, merci beaucoup. C'est la première d'une série, j'espère. Je vais prendre deux pompes derrière ma main. Pourquoi pas? Et je vais utiliser une petite brosse pour venir l'étaler là où j'ai rien mis. Mon fond de teint est mis, mais et c'est parfait. Voyez comme j'adore ce fond de teint. Il me donne un teint super naturel, super beau. C'est comme si j'avais pas de fond de teint. Puis le match entre mon décolleté et ma peau est parfait. Je reviens avec le contouring et une brosse. Toutes mes brosses sont des vieilles brosses de chez Tarte. Et c'est ça. C'est cela. J'avais acheté le paquet il y a un moment. Donc, je vais peut-être update mes pinceaux bientôt, mais c'est là où je les ai prises. J'aime bien amener mon contouring du nez jusqu'à mes sourcils. Je trouve que ça donne un effet beaucoup plus snatch.
J'avais en tête de faire des vidéos sur des vlogs plutôt. Je pourrais vous amener avec moi dans mes aventures de solo. Je me demandais, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi, j'avais un beau questionnement tantôt. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous demande est-ce que vous êtes célibataire? Je dirais jamais je me considérerais comme une femme célibataire. C'est quoi la réponse à donner? Donc moi, je suis venue avec une phrase que je vais dire maintenant. Ce serait la suivante. Je suis dans une étape de ma vie où je tiens à faire des connexions profondes et j'aimerais accueillir dans ma vie les gens qui ont qui matchent la même énergie que moi. Et ouais, est-ce qu'il faut se considérer célibataire si on n'a pas d'homme dans sa vie? Moi, personnellement, je ne me considère pas comme une célibataire. Je me dis, mon mari est là, quelque part. Non? Et je suis une femme future mariée. Je vais poursuivre. J'ai acheté un concealer un peu plus pâle que celui que j'ai, donc le chestnut. Et ça, c'est biscuit. Et je veux un concealer beaucoup plus pâle que celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Et voilà. Je vais le rajouter par-dessus ce que j'avais déjà mis. J'aime beaucoup ce nouveau concealer. J'aime beaucoup cette couleur. Je continue à acheter ma couleur habituelle, mais je vais sûrement acheter cette couleur aussi. Camera. Et ouais, je vais continuer. Je vais faire un peu de baking avec ma poudre loose de chez Laura Mercier. J'achète toujours le petit format parce que je trouvais avant, je me maquillais pas beaucoup, donc je me dis, qui finit une poudre loose? Qui finit un fond de teint? Coupable. Si j'avais été au soleil et puis il n'y a plus personne qui pouvait plus rien me dire. Mes résolutions de fin d'année, la discipline était au cœur de mes résolutions. J'étais extrêmement perturbée par certaines choses l'année dernière et tout. Et je voulais tout le temps commencer de nouveaux projets et jamais je les accomplissais. Comme je dis, la chaîne YouTube, j'aurais dû la commencer plus tôt. J'avais acheté tout le matériel. Je pense que c'est une question de respect. Donc, le respect que tu as envers toi-même, c'est de dire, OK, aujourd'hui, je vais commencer ma chaîne YouTube. Et de le faire parce que tu te respectes en tant que personne et que ben, tu es importante. Pourquoi est-ce que les engagements envers toi-même seraient mis au dernier échelle,
la dernière marche. Donc, j'ai commencé. En passant, j'utilise ma poudre de finition de chez Laura Mercier pour venir papoter dans la poudre. Et là, je viens tout simplement essuyer la poudre que j'avais mis sur mes yeux. En dessous de mes yeux et je viens en mettre partout. J'aime bien ça. Juste pour fixer sur tous les endroits qui le front. J'ai tendance à être huileuse autour de la bouche parce que je suis une grande rieuse et j'ai les lignes qui se forment ici donc j'aime bien mettre la poudre là. Mes yeux. Et aujourd'hui, je voulais faire une tentative et mettre des faux cils. Et je vais utiliser les cils de chez Gold Digger Wear. Celui-là, c'est mes préférés. Ça donne un fini très naturel. Allez l'encourager. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Je vais appliquer mes cils hors de la caméra. Mes sourcils. J'ai les sourcils très fournis et je ne fais que utiliser le gel pour sourcils de chez Benefit et je vais juste les brosser vers le haut et là on a les sourcils qui sont faits, ma peau est vraiment belle, le contouring est très léger, très soft et on va y aller avec un blush, mon blush ici vient de chez NARS et c'est cette magnifique couleur. Je vais venir mettre du mascara sur le bas de mes cils. Pour mes lèvres, j'ai découvert une nouvelle technique que j'ai partagée avec vous dans ma dernière vidéo et c'est de venir mettre son contouring si vous en avez un en gel sur ses lèvres et là ça vient créer, c'est le parfait crayon pour les lèvres des femmes noires. Ouais, et je viens utiliser un rouge à lèvres de chez Maybelline qui normalement tout seul m'aurait donné des heures de vampire mais avec mon crayon à lèvres contouring vient donner être parfait et il a un gloss, c'est comme un gloss rouge à lèvres. Et je l'aime beaucoup. Highlighter. Sur mes points les plus hauts. Pour donner l'effet liftant. Donc ici. Et j'aime beaucoup utiliser mes mains aussi. Des fois, il faut faire plus. Pour avoir plus. C'est pas ça qu'on dit. Et je vais en mettre dans le coin de mon œil. Puis je vais venir prendre un Q-tip. Parce que j'ai pas de petit pinceau et je vais venir le mettre ici sur l'intérieur de mes yeux pour me donner cet air réveillé et je vais aller m'habiller et je reviens avec ma tenue pour la soirée. Donc là j'ai fini, je me suis habillée, j'ai choisi cette tenue. J'ai toutes les informations sur mon compte Instagram. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Merci.